Chers élèves, je me présente. Je suis Semi votre professeur de mathématiques et enseignant au lycée Pilote Mazahuit. On va entamer notre séance de révision par un exercice qui va nous permettre de rappeler quelques notions étudiées précédemment vues en troisième année secondaire. Voilà notre séance. Le plan de notre séance est on va faire un exercice, puis on va étudier on va se rappeler pour les affixes des points, module d'un nombre complexe, propriété, ensemble de points, puis conclusion. Voilà notre exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, soit A et B et C, les points d'affixe respectifs 2 plus I, moins 1 et 3 moins 2I. Placez alors les points a, B et C. Comment on peut placer les points à partir de ces affixes Puis, déterminer l'affixe du point I milieu du segment ABC. Calculer les distances AB, AC et BC. Quelle est la nature du triangle ABC Déterminer l'affixe du point D symétrique de A par rapport à I. Puis, quelle est la nature du quadrilatère ABCD Définition. Donc, un nombre complexe est un nombre de la forme x plus i, y, où x et y sont deux réels et i un nombre imaginaire qui vérifie i au carré égale à moins 1. L'ensemble des nombres complexes se note c. On note c l'ensemble des nombres complexes. Tout nombre complexe s'écrit de manière unique z égale à x plus y, avec x est un réel et y réel. Un réel. On appelle X la partie réelle de Z et notée RE de Z, c'est-à-dire la partie réelle de Z, et Y la partie imaginaire de Z, notée IM de Z. Donc, un nombre complexe s'écrit de la forme X plus Y avec X, c'est la partie réelle, et Y, c'est la partie imaginaire, avec X Y sont deux réels. Donc cette écriture s'appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc l'écriture z égale à x plus y avec x et y sont deux réels est appelée forme algébrique du nombre complexe z. Si z égale à x plus y avec x et y sont deux réels, on dit que z est imaginaire pur si et seulement si la partie réelle égale à zéro. Par exemple, z égale à 2i, ou z égale à 3i, ou z égale à racine de 2 fois i. Ce sont des nombres imaginaires purs. Et on dit que z est réel si et seulement si la partie imaginaire égale à 0. C'est-à-dire s'écrit de la forme z égale à x. On peut conclure ici que l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Car quel que soit x appartient à R, c'est un élément de C. Donc Z est réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. On prend un exemple z égale à 2, ou z égale à 3, ou z égale à 1 demi, ou moins racine de 3 sur 2, etc. Donc z est réel si et seulement si la partie imaginaire de z égale à 0. On appelle conjugué de z et on note z bar le complexe x moins i, y. C'est-à-dire, Z et Z-bar ont même partie réelle, et la partie imaginaire de Z-bar est l'opposé de la partie imaginaire de Z. On dit ici, on appelle que le conjugué de Z est noté Z-bar, égal à X-I-Y. À tout nombre complexe Z égal à X plus Y, avec X et Y sont deux réels, on a ceci le point M de coordonnées X, Y, dans un repère orthonormé. UV, on dit alors que M est l'image de Z et le vecteur OM est le vecteur image de Z. Donc, si Z s'écrit de la forme x plus y, toujours on peut lui faire associer le point M de coordonnées x, y. On dit que M est le point image de Z et le vecteur OM est le vecteur image de Z. Et on a encore tout point M x, y dans un repère orthonormé, et le point image d'un seul nombre complexe Z égale à X plus Y, on dit que Z est la fixe du point M et du vecteur OM. Et voilà, la construction du point M, on a ici M, l'abscisse de M c'est X, et l'ordonnée du M c'est Y dans un repère orthonormé. La partie réelle... C'est l'abscisse du point M. La partie imaginaire est l'ordonnée du point M. Et voilà, Z s'appelle l'affixe du point M. Et M s'appelle le point image du point Z. Dans notre exercice, le plan est muni d'un repère normé direct OUV, soit A et B et C, les points d'affixe respectifs 2 plus I, moins 1 et 3 moins 2I. Placez les points A, B et C, pour placer le point A, on remarque que l'affixe du point A égale à 2 plus i, c'est-à-dire l'abscisse du point A est 2 et l'ordonnée du point A est 1. Pour le point B, on remarque que l'abscisse du point B égale à moins 1 et l'ordonnée du point B égale à 0. Et l'affixe du point B est un réel, c'est-à-dire l'abscisse de B égale à moins 1 et l'ordonnée égale à toujours un 0. La fixe du point C égale à 3 à moins 2i, c'est-à-dire l'abscisse de C égale à 3 et l'ordonnée de C égale à moins 2i. Et voilà, on a ici ZA égale à 2 plus I si seulement si A de coordonnées 2, 1. ZB égale à moins 1 si seulement si B de coordonnées moins 1 et 0. ZC égale à 3 à moins 2i si seulement si C égale à CA pour coordonnées 3 et moins 2. Et voilà la construction. On remarque ici l'abscisse de A c'est 2, l'ordonnée c'est 1, l'abscisse de B moins 1, l'ordonnée de B est 0, et l'abscisse de C est 3 et l'ordonnée de C est moins 2. Maintenant, question numéro 2, déterminer l'affixe du point I milieu du segment BC. Pour déterminer l'affixe du milieu, on sait que si I est le milieu du segment BC, alors l'affixe de I, c'est la somme des deux affixes de BC sur 2, c'est-à-dire ZI égale à ZB plus ZC sur 2. On a alors ZI égale à ZB plus ZC sur 2 égale à moins 1, c'est l'affixe du point B, et plus 3 moins 2I est l'affixe du point C, le tout sur 2 nous donne 1 moins I, c'est-à-dire... La fixe de i égale à 1 moins i, donc l'abscisse de i égale à 1 et l'ordonnée de i égale à moins 1. Troisième question, calculer les distances AB, AC et BC. Quelle est la nature du triangle ABC à partir des distances, je peux conclure les, la nature du triangle ABC. ABC. Donc à partir des distances A, B et C, je peux déduire la nature d'un triangle ABC. Maintenant pour calculer la distance AB, qu'est-ce qu'il faut faire Donc il faut rappeler la définition de la distance à l'aide des nombres complexes. On sait que la distance AB, c'est module de ZB moins ZA. Module de ZB moins ZA, c'est quoi module Donc définition donc, z est un nombre complexe avec z, comme d'habitude, x plus y, avec x et y sont des réels. Le module z de z est le nombre réel positif noté module de z, et défini par module de z égale à racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire module de z égale à racine de x carré plus y carré. Je répète, donc. Le module de Z, un nombre complexe quelconque, s'écrit de la forme x plus y avec x un réel et y un réel, son module est défini par, c'est un réel positif, peut-être 0, donc, et n'est pas strictement positif, le module c'est supérieur ou égal à 0, c'est un réel positif, défini par module de z égal à racine de x carré plus y carré. C'est quoi l'interprétation géométrique du module Dans le plan complexe, si m a pour, pour affixe z alors la distance om égale à module de z dans un repère toujours un repère orthonormé on a si m a pour affixe z alors la distance om égale à module de z et voilà donc on a la distance entre l'origine o et le point m s'écrit om distance om c'est module de z et la distance entre deux points quelconques dans le plan Rapporté à un repère orthonormé, s'écrit de la forme AB égale à module de ZB moins ZA. Donc, pour chercher la longueur d'un segment AB et pour chercher la distance AB en général, il faut calculer la distance AB sous la forme égale à module de ZB moins ZA. Propriété du module. Pour tout nombre complexe z appartient à c et z' prime appartient à c, on a module de z bar égal à module de z. Donc, euh, on sait que module de z bar, c'est module de x plus i, moins y et module de z, c'est module de x plus y tous les deux égales à racine de x carré plus y carré. De même, on sait que module de moins z, moins z c'est-à-dire moins x plus i moins y, donc module de moins x moins y égale à racine de moins x au carré plus moins y au carré, c'est la même chose que calculer racine de x carré plus y carré. Et on sait encore que module de z plus z prime, inférieur égal à module de z plus module de z prime, on appelle ça inégalité triangulaire. Module 2 du produit c'est le produit des deux modules. Module de Z fois Z prime égale à module de Z fois module de Z prime. De même pour le quotient donc module de Z sur Z prime égale à module de Z sur module de Z prime avec Z prime non nul. Maintenant, on va calculer les distances AB, AC et BC. La distance AB, on sait que la distance AB égale à module de ZB moins ZA, égale à module moins 1, c'est la fixe du point B, moins 2 moins I, égale à moins 3 moins I, donc égale à racine de 3 au carré plus 1, égale à racine de 10. Donc, la distance AB égale à racine de 10. La distance AC maintenant. C'est module de ZC moins ZA égale à module de 3 moins 2I moins 2 moins I égale à racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré égale à racine carrée de 10. Donc la distance AC égale à racine de 10. On remarque ici que la distance AB égale à racine de 10 et la distance AC égale à racine de 10. Donc ABC est un triangle isocèle en A. Donc, la distance AB égale à la distance AC, c'est-à-dire le triangle ABC est un triangle isocèle en A. On cherche maintenant la distance BC. Égale à, même chose, module de ZC moins ZB égale à module de 3 moins 2I moins moins 1, égale à module de 4 moins 2I égale à racine carrée de 16 plus 4, égale à racine carrée de 20. Donc, la distance BC égale à racine de 20. On remarque encore que la somme des deux carrés entre les deux distances AB et AC, AB au carré égal à 10, AC au carré égal à 10 et BC au carré égal à 20. Donc d'après la réciproque de Pythagore, on peut conclure que le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc on a ici le triangle, c'est un triangle isocèle et c'est un triangle rectangle. Quelle est la nature du triangle Voilà. Donc on a AB égale à AC égale à racine de 10. Donc ABC est un triangle isocèle en A. Et voilà le schéma. Donc ici on remarque ici que la distance AB égale à distance AC. Et on remarque encore que c'est un triangle rectangle. On peut démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle avec plusieurs méthodes. Donc la première méthode. C'est la méthode de réciproque de Pythagore. Donc, d'autre part, on remarque que la distance AB carré plus AC carré égale à 20 et BC carré égal à 20, d'où AB carré plus AC carré égale à BC carré. Alors, d'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Donc, la nature du triangle ABC est un triangle isocèle en A et rectangle. Donc, ici. On a démontré alors que c'est un triangle isocèle et rectangle en A. Pour la deuxième méthode, on peut utiliser le produit scalaire et on sait qu'on qu travaille dans un repère orthonormé. Donc le produit scalaire ABAC, on a le vecteur AB A pour corde composante moins 3 moins 1 et le vecteur AC A pour composante 1 et moins 3. Donc le produit scalaire égal à moins 3 fois 1. Plus, moins 1 fois moins 3 égale à 0. Alors, le produit scalaire ABAC égale à 0, si seulement si, alors, que AB, le vecteur AB et le vecteur AC sont orthogonaux. Ainsi, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, la nature du triangle, c'est quoi Donc, c'est un triangle isocèle et rectangle en A. Quatrième question Déterminer l'affixe du point D symétrique de A par rapport à I. On sait que SI de A égale à D si seulement si I est le milieu du segment AD. Alors, l'affixe de I, c'est la somme des deux affixes sur 2, c'est-à-dire ZD égale à 2ZI moins ZA, donc ZD égale à 2 facteurs de 1 moins I moins 2 plus I. Alors, l'affixe de D égale à moins 3I, c'est un nombre imaginaire. Donc le point D se trouve sur l'axe des ordonnées. C'est un nombre imaginaire qui s'écrit de la forme moins 3I. La partie réelle de Z égale à 0. La partie imaginaire égale à moins 3. Donc c'est un point qui appartient à la droite des ordonnées. Question 5. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC On remarque ici que le quadrilatère ABDC est un carré. Donc pour démontrer que ABDC est un carré. Il suffit de démontrer que ABDC est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques et perpendiculaires. On remarque ici que ABC est un triangle rectangle et isocèle en A, d'après la question précédente. Et les segments BC et AD ont le même milieu I. On peut conclure alors que le quadrilatère ABDC est un carré. Donc, on a ici BC et AD ont le même milieu, le point I, donc c'est un parallélogramme. En plus, A, B, C et isocèle et rectangle en A, c'est-à-dire AB égale à AC et AB, vecteur AB orthogonal au vecteur AC. Donc je peux déduire que le quadrilatère ABDC est un carré. Exercice 2. Deux points A et B d'affixes respectifs 2 plus i et 4 moins I. Déterminer géométriquement, puis algébriquement, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2 moins I égale à 4. Petit b, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2 moins I égale à module de Z moins 4 plus I. Tracez les ensembles trouvés dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé. l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2i égale à 4. Voilà, on va faire ça avec deux méthodes. Première méthode, module de Z moins 2 moins I égale à 4, c'est-à-dire signifie que module de Z moins 2 plus I égale à 4, c'est-à-dire signifie que module de Z moins ZA égale à 4, signifie que la distance MA égale à 4 avec... A d'affixe 2 plus i. L'ensemble cherché est donc le cercle de centre A et de rayon 4 avec A d'affixe 2 plus i. Donc ici on a module 2Z moins ZA égale à 4, c'est-à-dire distance MA égale à 4. Et on sait que l'ensemble des points M tels que la distance MA égale à 4, c'est un cercle de centre A et de rayon 4. Donc l'ensemble cherché ici et donc le cercle de centre A est de rayon 4 avec A d'affixe 2 plus I. Deuxième méthode, c'est la méthode algébrique. Donc, on pose Z égale à X plus IY avec X et Y sont deux réels. Module de Z moins 2 moins I égale à 4 signifie que module de X plus IY moins 2 moins I égale à 4. Donc, il faut écrire sous la forme algébrique module de x moins 2 plus i, y moins 1 égale à 4. Donc signifie que racine de x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale à 4. Signifie que x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale à 16. C'est l'équation cartésienne d'un cercle de centre i d'affixe 2 plus i. C'est-à-dire i de coordonnées 2. Donc ici, on a démontré que l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2 moins I égale à 4, c'est un cercle de centre A, d'affixe 2 plus I et de rayon R égale à 4. L'ensemble cherché alors est un cercle de centre A, de coordonnées 2, 1 ou encore d'affixe 2 plus i et de rayon 4. La construction, et voilà, on a A, a pour coordonnées de 1, et voilà le cercle de rayon 4. Question B, l'ensemble des, des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2 moins i égale à module de Z moins 4 plus i. Première méthode, c'est la méthode géométrique. On sait que module de Z moins 2 moins I égale à module de Z moins 4 plus I signifie module de Z moins entre parenthèses 2 plus I, c'est la fixe du point A, égale à module de Z moins 4 moins I, c'est la fixe du point B. On a alors module de Z moins 4 égale, moins Z A égale à module de Z moins Z B signifie que la distance MA égale à la distance MB. C'est-à-dire, l'ensemble cherché ici, c'est la médiatrice du segment AB. C'est l'ensemble des points équidistants AA et B. Donc module de Z moins 2i égale à module de Z moins 4 plus I, c'est-à-dire module de Z moins ZA égale à module de Z moins ZB. On sait que module de Z moins ZA, c'est la distance MA. Module de Z moins ZB, c'est la distance MB. Donc MA égale à MB, l'ensemble cherché. C'est la médiatrice du segment AB avec ZA égale à 2 plus I et ZB égale à 4 moins I. Deuxième méthode, c'est la méthode algébrique. Soit Z égale à X plus IY avec X et Y sont deux réels. Module de Z moins 2 moins I égale à module de Z moins 4 plus I signifie que module de X moins 2 plus IY moins 1, il faut l'écrire sous forme algébrique pour calculer le module. Donc, égal à combien Module de x moins 4 plus i y plus 1. Signifie x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré, égale à x moins 4 au carré plus y plus 1 au carré. On va trouver, donc, signifie que 4x moins 12 moins 4y égale à 0. Signifie x moins y moins 3 égale à 0. Signifie y égale à x moins 3. C'est l'équation d'une droite cherchée. Donc, c'est la droite cherchée. Donc, c'est la médiatrice du segment. AB. Donc, l'ensemble des cherchés est la droite d'équation y égale à x moins 3. Et voilà la construction. Donc, voilà le point A d'affixe 2 plus i, c'est-à-dire l'abscisse de A égale à 2 et l'ordonnée de A égale à 1. L'affixe du point B, c'est 4 moins i, c'est-à-dire l'abscisse de B égale à 4, l'ordonnée de B égale à moins 1. Et voilà la médiatrice. C'est une droite qui passe par le milieu de AB et perpendiculaire à AB ou encore l'ensemble des points équidistants aux points A et B. Cette séance prend fin. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Bonne continuation et à bientôt.